Allô? Yo. Tu vas bien? Ouais, toi? Ça va, ça va. C'est quoi de beau? Hein? J'étais en train de remplir la compte. Je viens de finir, j'étais en train de regarder pour mon prochain achat. Ah, ça veut qu'on cesse? Ouais. Attends, tu vas arriver ici, toi. Hein? Toi, tu vas encore arriver ici avec une voiture, toi. Non, 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 on la paye. On va attendre un peu. Ah, ok. On dépasse plusieurs chiffres. Ok. Bon bah du coup pour les hélicos on s'en tient à ça quoi. Yep. Je te Bah, push. tu veux qu'on se voit vite fait là? Je À suis au l'avion? Belize, mais là il y a la tempête dans 10 minutes donc pas le temps, mais Ah. juste après si tu veux. Ouais, bah, on peut faire ça. Voilà. Parce que là bon, pour le coup dans 2-3 jours je vais pouvoir acheter les plans. J'ai filé aux Ah oui, je pensais que c'était architectes. plus rapide. Et ouais, tranquille. Ah pour le coup, ouais, quand même. Vas-y, bah. Écoute, finis à ton process, là. Et... Après la tempête, on se capte, vas-y. Ouais, voilà, on en parlera comme ça directement à vive voix. Vas-y. Bon, allez, Bah, à à toute. toutes, bon appétit. Ouais.
qui attend. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais à la pêche à l'aimant. Je vais garder que les montres. Bah, les couilles. Mort de vie alors. J'ai quoi sur moi? On va faire ça. Hein. Oh, elle déchire la voiture. Oh, plus je la vois cette voiture, plus elle me fait kiffer. Vraiment, elle est dingue. Pourtant, il y a mieux, hein. Mais juste celle-là est dingue. Super. Je vais voir la prochaine fois.
Yo, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça faisait un bail, tu vois. Ouais. Je me suis dit que j'avais fait une bonne action, que j'allais un peu nettoyer le lac. Ouais, c'est ce que je venais faire. Parce que j'ai pris que des montres. Si tu veux les moteurs, pas de soucis. Ouais. Là, ce qui me casse les couilles, c'est que les médecins, ils veulent des tissus, mais quand tu les appelles, ils répondent jamais. Après, à ce temps-là, ouais, c'est compliqué, hein. Ah, c'est intéressant, il les rachète quand même beaucoup plus cher que le pawn shop. Attends, mais des tissus, j'en ai filé une tonne le fois au pawn shop. Pourquoi ils vont pas les chercher là-bas? Ah bah je sais pas. Enfin, moi je préfère leur vendre à eux qu'au pawn shop. Je crois qu'il les reprend 5 ou 6 dollars le tissu à l'hôpital. Ouais, je sais, mais avant il les reprenait pas, c'est pour ça que j'étais au pawn shop. Et je les avais carrément donné au pawn shop. J'avais dit tiens, j'en ai 2000. Ah mais toi t'as pas besoin de sous, tu travailles 28 heures par jour. J'avoue. J'avoue. Ah là j'ai de la chance, j'ai 3 montants d'or tout à l'heure. C'est nice. Ouais, ça fait toujours du bien quoi. Yes, canette vide.